Alors je sais ce que vous allez me dire, oui c'est une rediffusion de Twitch, y a pas de boulot, feignant, youtubeur, voleur, oui d'accord mais non, parce qu'en fait, quand je rediffuse une vidéo de Twitch, je dois couper tous les moments où je ne parle pas, tous les moments où je bouffe, ou je fume, ou je ce que vous voulez, donc ça demande beaucoup de boulot. La seule vraie excuse, la seule vraie chose pour laquelle je dois m'excuser, c'est que j'étais vraiment claqué quand j'ai fait ça, je m'étais tapé une journée de boulot de malade. Donc du coup, je suis un peu mou, pas réactif, je bafouille et tout, c'est un désastre. Cependant, comme il s'est enfin passé des trucs dans le visage et que du coup vous avez les réactions authentiques, je me suis dit autant le mettre. Et l'avantage d'avoir une rediff de Twitch, c'est qu'il y a le chat, donc j'ai interagi, donc je parle, donc c'est un plus intéressant ou moins mort, on va dire. Voilà, donc je vous laisse profiter de la vidéo. Elle se coupe abruptement parce que je suis vraiment flippé et crevé et que j'arrive pas à gérer jusqu'au bout. Ceci étant, si ça continue à manifester un petit peu d'intérêt, bah j'irai plus loin. On est encore dans le maison explorateur, maison simulator, tiroir, ce que vous voulez. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va vers quelque chose. Et pour un early access, il y a peut-être des trucs sympas à aller gratter au fond. Même si, encore une fois, pour le moment, il y a des passages très calmes. Je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous remercie pour votre infinie compréhension et je vous dis à très vite. Allez, bienvenue dans Visage. Pour ceux qui connaissent pas, accrochez-vous parce que ça secoue. J'ai deux save slots. Ah oui, ça, c'est le tout début. Et ça, c'est là où j'en étais. Donc, la chambre de la petite. C'est le chapitre de la petite. Donc, j'ai plus de lumière. Le son. Je pense qu'on entend le son. J'entends un peu avoir dans le jeu. De toute façon, c'est pas un jeu très bruyant. Tu l'as vu dans la vidéo. Bon, là, j'ai une lampe qui marche ici. Parce que, comme c'est pareil... Oh, bizarre, ça. C'est un jeu où on te dit... on prendra pas par la main, etc., etc. Je me dis que peut-être je suis censé regarder plein d'objets et tu vois que ça déclenchera quelque chose, je ne sais pas. Alors dans le patch note, ils disent aussi que ils ont voulu faire exprès de faire un inventaire qui soit pénible à utiliser. Ça faisait partie de l'ambiance. Là vous entendez même pas les tiroirs, c'est bizarre que le son ait l'air si faible. Ah, je peux prendre quoi, des clopes? Un briquet. Donc ça ne dure pas longtemps évidemment. Ça réduit la montée du stress. Rester dans le noir avec un briquet. Quoi? Rester dans le noir avec un briquet. Ah, ça fait quand même baisser la santé mentale, c'est ça qu'ils veulent dire. D'accord. Et ça peut aussi allumer les ampoules. Les bougies. Ah, mon inventaire est plein. Je pense que si ça ne peut pas m'en servir, je vais m'en débarrasser. Ici. Comme ça, je store mon briquet. Je ramasse... ouais, je pense qu'il y a beaucoup de merde que je ne ramasserai pas. Genre ça. Bon, il y a mes gosses en photo partout. Ça, il n'y a pas de surprise. Tu me diras pour le son, hein, du coup. Carly. Bon, pour l'histoire, du coup, vous êtes plus ou moins au courant. Plus qu'on a vu la vidéo. C'est quoi, ça? On était quand même une famille très médicamentée, je trouve. Ah, ça, c'est le fameux truc. J'aime pas aller ici, par exemple. Je n'aime pas cet endroit. Et en même temps, je me dis, il y a peut-être un truc à trouver, tu vois. Que dans le trailer, en fait, il y a une scène horrible qui se passe ici. Oh, c'est un vieux trailer. Ça se trouve, depuis, ça a changé ou c'est plus tard, tu vois. Cette poupée est horrible aussi. Donc là, on n'avait plus de lumière. Non. Ah, ça c'est pour le... D'accord. On pourrait examiner les jouets. Je crois que c'est intéressant de regarder les jouets. Ces machins, là. Au final, elle avait un ami imaginaire in the placard. Souvenons-nous-en. Ah bah, le papier a disparu. Et Interact, ça ne fait rien. Alors, le souci des early access comme ça, c'est qu'on sait jamais si c'est un bug ou si c'est voulu. Des dessins, d'accord. Ah, la poupée au briquet. Alors le problème, c'est que le briquet il dure pas et que j'ai pas envie de gâcher en faisant des bêtises. Je suis même pas sûr que ça marche d'ailleurs. Je sais pas s'il y a la physique du fire. Parce que t'as chargé une... Ouais, voilà, parce que j'ai chargé une vieille sauvegarde et que comme il y a eu un patch, tu vois, est-ce que le papier est censé disparaître? Ou est-ce que c'est un bug? Voilà. Et là, tu vois, même en cherchant bien, bah écoute, le chapitre de Lucie, je veux bien, mais... Mais je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi. Mais là, quand je parle, c'est que j'entends pas les petits bruits.
Donc j'ai moins peur. Je peux avancer presque sereinement dans la vie. Ça, c'est mon bureau, mais on y a passé, souvenez-vous-en, on y a passé 10 minutes sans aucun résultat. À part jeter des canettes partout. Là, on a un coffre sans clé. On n'a pas de clé sans coffre. Ce qui est dit dans le patch note, c'est on a changé le tutoriel pour vous aider pour que la progression dans le chapitre soit plus facile. Donc je pense qu'il y a un seul chapitre sur, je sais pas, 3, 4, 5. La version finale du jeu. Là, on n'a même pas fait un chapitre, je veux dire, on n'a rien fait du tout, quoi. Peut-être ouvrir tous ces bazars, là, tu vois. C'est un jeu de fouille. Ah ouais, là, il y a la dose de cachet. Mais je peux pas les prendre, ceux-là. Alors, le jeu est... Enfin, je sais pas, les textures apparaissent bizarrement. C'est un peu vilain. Je pense que vous le voyez du coup. Ouais, c'est pas le stream, hein. Même chez moi, la texture est dégueulasse. Ah, je peux tirer le rideau cette fois. T'as toujours une petite pression quand tu tires un rideau comme ça, alors que ça aurait été tellement cliché qu'il y ait quelque chose. Ouais, donc au final, c'est tiroir simulator, quoi. Ou je suis vraiment débile, ou il faut que je recommence tout. Toi qui as vu le... Je sais pas ce que t'as pensé... Je sais pas qui est là. Carly, je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo que j'ai faite, en fait. Si t'as l'impression que, vraiment, j'ai survolé des endroits où... Il y a des actions que t'aurais faites. Parce que c'est pas très grand, finalement. Et passer les premiers jumpscares, là, comme j'ai pas de problème de santé mentale, ben... Il se passe pas grand-chose. Ah, ici, pourquoi ça descend ici? Ah, juste l'horloge me fait stresser visiblement. Prendre une petite pilule, non? Non, on va prendre une petite pilule. Putain, ta mère! Ah, j'ai horreur de ça. Putain, ça, j'ai horreur de ça. Prends une pilule, dépêche-toi. Use. Ça va mieux? Pas du tout. Ok, donc là, je suis en train de flipper ma race, par contre. Mais les pilules, elles font rien. Putain, vu Google qui me parle. Si, ça marche un peu. Il y a un temps d'action, en fait. J'ai peut-être gâché une pilule, pour le coup. Mais, ok, je suis une flippette, hein. Mais là, j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. Ok, ça va, l'interrupteur est pas loin. Là, ça s'est refermé. Ouais, c'est ça qui s'est refermé, d'accord. Mais je m'en fous un peu, en fait. Parce que, comme c'est des événements, a priori, générés aléatoirement, suivant ma santé mentale... Bah je sais que c'est pas ça qui me fera avancer mon histoire. Ça s'est fermé ici. Faut des clés quoi. Les clés sont pas dans les tiroirs. La radio s'est rallumée, ouais mais ça... Ça mon coco, si tu crois me faire peur avec ça... Alors a priori je peux tirer sur la porte mais ça marchera jamais. Évidemment. On m'a débloqué un succès quand même d'essayer de sortir. Oh, je suis pas allé ici! Ça descend à cause du bruit de l'horloge. Tiens, la porte en bas était bloquée, là elle est ouverte. Ouais, ouais, ouais. Bah, bien vu. Une clé, qui est la clé de. Je sais pas. Il y a deux types d'objets, les clés et les objets dynamiques. Les objets dynamiques sont stockés, alors que le clé, à mon avis, non. Ouais, ok, cool. Donc, ça me prendra pas un emplacement. Basement, c'est la clé de la cave. Bah ça tombe bien, on vient d'y passer. Mais pour l'instant, on va déjà regarder un peu ce qu'on peut trouver ici. Ça c'est ma femme, très 80s. Hein. Elle était pas comme ça dans l'intro. Hein. Qui a eu... Tac, ah on est bien là, ah on est bien. Qui a eu la curiosité d'aller chercher l'intro du jeu, quelque part, sur internet? Je sais pas si c'est facile à trouver, je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui l'ont montré, peut-être moins scrupuleuses que moi. S'il y en a qui l'ont vu, je voudrais bien votre avis. Autosaving, ça j'aime pas trop. Autosaving, c'est pas bon signe. Putain, là, avec le truc, le portrait de Jésus, là. J'ai pas eu le temps. Ok. Après, ça fait pas peur en soi, hein. C'est juste que c'est beaucoup trop glauque, je trouvais. Je sais qu'il y a une partie des gens qui regardent qui sont plus jeunes, on va dire. Et j'avais pas envie qu'ils voient des trucs... qu'ils voient ce genre de choses, tout simplement.
Bon, je vais très lentement parce que j'ai peur de sortir de cette zone de confort là. Qu'est-ce qu'il y a comme cachet, putain? La radio m'angoisse, mais à chaque fois que je l'éteins, elle se rallume, donc de toute façon. Il y a un fantôme dans le placard. De toute façon, on voit rien dans le placard. Et ici, ça a l'air d'être bloqué par... Ah ouais, il y a un taquin qui a bloqué. Il est bizarre le flou, par contre. Graphiquement, pour un jeu indé, je le trouve joli. Mais on est quand même subpar par rapport à ce qui était annoncé dans les bandes annonces. Et ça, c'est dommage. Là, des interrupteurs près de la porte d'entrée. Ouais. Bah écoute, ils sont sans effet. La télé, on peut pas l'éteindre ou zapper. Si. Elle peut rester allumée. Oh, j'ai pas dû l'éteindre. Je suis débile. Ah, le magnétoscope. Pas accessible. Ou alors c'est pareil, tu vois, ça s'arrête. L'enculé de jeu. Il y a un œil quelque part, c'est où ça? Il y a un gramophone aussi. Et il y a une espèce de femme... le fantôme de ma fille, j'imagine. Putain. Ouais, quel intérêt de jouer à ce jeu si... faudra le recommencer, donc j'irai pas trop loin parce que... Le temps est... Alors, l'horloge ou le temps est bloqué. Ouais, la santé mentale, ça va pas bien. Là, on arrive sur des événements scriptés. Il y a du son ou pas? Je pense que oui. De toute façon, dans des jeux comme ça, si t'es pas... Si t'as... Je peux pas mourir, j'ai pas le choix là. J'ai pas d'arme. Alors ça, ça... Voilà, et là c'est bon normalement. Jumpscare? Pas de jumpscare? C'est quoi, des cafards? Je dirais pas. Il y a plus des feuilles. Alors j'ai tellement envie d'aller là. Putain. Un autre briquet. Ah et en fait je suis full briquet, c'est ça? Ouais. Bon, on va acheter ça. Waouh. Il est très magnétique. Ah non. Drop, F, voilà. Bon, on y va? C'est la porte de quoi ça? Basement... Bah, je l'ai la basement key. Super. Le coup de la télé c'était quand même bien foutu, je trouve. De, tu sais, te permettre de l'éteindre. Sachant qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas fait, mais... Là, on est dans la cuisine. M'en fous, je vais aller en bas. C'est vraiment noir en noir. Non, il me faudrait quelque chose, une torche. Je vais mourir de mauvaise santé, sinon. Voilà, donc là, on est... Et c'est pas là qu'il y avait la fille, là? Il y a le gramophone ou pas? Non, donc c'est pas là. Voilà. Là, on drop des images, non? Je pense que oui, parce que j'ai dû... Tu drop moi. Mais j'ose aller nulle part, tout est scripté, tout veut me tuer. Vous voyez que ça saute là ou c'est... Ah, c'est l'animation qui est pourrave, je crois, avec le briquet. Voilà. Ah, elle est glauque la poupée là. Ça saccade un peu. Ouais, mais chez moi aussi en fait, donc c'est pas le stream, c'est le jeu. Ah, ça c'est a priori un objet à... débloqué, parce que j'ai eu un succès en le touchant. Un objet caché, je ne sais. Je sais pas dire. En tout cas, il n'est plus là. Alors, à mon avis, c'est comme dans tous ces jeux, l'amnésie et compagnie, c'est ouvrir les tiroirs, ça ne sert à rien. Sauf une fois dans le jeu. Et ça arrive quand tu n'ouvres plus les tiroirs. Parce que là, depuis tout à l'heure, aucun objet essentiel n'était dans un tiroir. Ça, je peux le pousser? Ouais, je pense que ouais. Et il va m'arriver un truc. Il va m'arriver un truc là. Même pas. T'as le briquet pour aller à la cave. Ouais, mais ils disent que ça dure pas longtemps. Alors je me dis peut-être qu'avant je dois trouver un truc ici, quoi, tu sais, qui me servirait. Oh, une torche, je pense pas, mais une lampe de poche, pourquoi pas. Basement key, mais elle ouvre tout cette clé, c'est génial.
Je suis pas passé ici. Ah non. C'est une très grande maison, visiblement. Les icônes religieuses, c'est glauque. Ça s'est refermé derrière moi. Pff, même pas peur. Not even scared. Je pense qu'il faudrait vraiment jouer avec le son à fond. Les petits jumpscares, comme ça, ils marchent pas. Le son est pas assez fort dans mes oreilles, mais si je mets le son à fond, je vais pleurer en fait. Donc. Quel intérêt? Bien sortir. Mais qu'est-ce que je ferais? Pour moi, je suis mort. Hein. Ça fume, ça prend des médocs, ça fait pas la vaisselle. Truc dans le. Dans le chrome? Non. Il est 3h33, la moitié de 666. Que fait ce bruit là? C'est le four? Ah non, c'est la radio là-bas. Elle fait ce qu'elle veut depuis tout à l'heure, de toute façon. Le fridge. Ah, et ça saccade par moment. J'arrive pas à être convaincu que ça vienne de, du stream, du PC. Je sais pas. Il n'y a pas de bébé dans le congélo déjà. Bon, on va reprendre d'où on était. On peut l'éteindre encore ou pas ça? On va prendre El Briquetto. Tac. Les jumpscares sont toujours à peu près les mêmes, donc ça fait plus de peur à force. Ouais, mais moi si. Moi si. Je voudrais juste avant checker mes pilules. Donc là, il m'en reste, parce que si ça se trouve, j'ai des boîtes vides. Oh putain. Non, pas vide. Et pas vide, d'accord. Top examine. Rangé. Ok. Ah, j'ai encore perdu une lampe, putain. Ah bah, super, ouais. Pas du tout me chier dessus avec ça. Ouf. Ah, j'aime pas. Tu te souviens dans Amnesia quand tu rentres dans le cellier? Mince. La flip absolue. C'est la pire zone du jeu. C'était la deuxième zone, je crois, la troisième, un truc comme ça. Oui, oui, oui. D'accord. Ah. Je peux y aller. Je crois pas avoir fait Amnesia. Mais sérieux! Je peux même pas te dire fais-le parce qu'il a, il a quand même mal vieilli ce jeu-là. Le premier parce que le deuxième est pas terrible. Ah, c'est dommage. J'aurais du mal à te le conseiller. Vraiment, techniquement, il a très très mal vieilli. Bon, j'ai la clé qui ouvre tout. C'est bizarre de tout fermer derrière une seule et même clé. J'ai entendu un bruit ou j'ai rêvé là? Je crois que c'est juste mon casque qui a bougé. Parce que là, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de couper les lumières en fait. Je pense que c'est ce qui va se passer à un moment. Et je vais arrêter, je peux plus. Je me stresse trop ce jeu. Je vais sauvegarder là. C'est horrible. De nuit avec la fatigue et tout là. Je suis pas capable de gérer.